Hello tout le monde, je vous présente aujourd'hui un meuble ou plutôt un arbre à chat. Je sais pas si vous pouvez le voir ici sur la partie là, mais c'est un arbre à chat. Ce qu'on va faire, c'est aller sur le site. Voilà, j'avais envie de vous montrer aussi ce type de produit là. Donc c'est le site Songmix Home. Donc là, on voit qu'il y a plein de produits pour les chats dans les menus. En fait, j'ai acheté plein de produits chez eux, voilà, je vous montrerai, il y a des meubles de bureau, il y a des meubles de salon, de rangement, et pour animaux, notamment pour chiens et chats. Là, vous pouvez voir les différents produits qu'ils proposent, donc des arbres à chat plus ou moins grands ou sophistiqués, il y en a même certains qui font très liés à l'ameublement, on voit avec du bois, etc. Mais moi, j'ai pris ce modèle-ci, qui est une nouveauté, et je l'ai pris en blanc, voilà. Donc on voit notre arbre à chat avec une partie litière, une partie pour se mettre dedans, après petit hamac et des jeux en haut. Donc normalement il n'est pas trop grand, c'est pour un chat. Voilà, moi je vais surtout pour cacher la litière à l'intérieur et que ça fasse plus joli. On voit qu'il fait 1m40 de haut pour je crois 86 cm de largeur, 80 cm. Voilà, on voit tous les détails. Vous avez toutes les caractéristiques ici, je vous mettrai bien évidemment le lien en description. La description avec l'ensemble des tailles, on voit qu'il fait 18 kg, c'est pour ça que j'ai une petite mention ici, supérieure à 15 kg, il est vraiment lourd parce qu'il y a du bois, donc il y a l'arbre à chat 2 en 1, le kit de montage, dispositif anti-basculement et le mode d'emploi. On voit certaines mises en avant de clients, ça a l'air plutôt sympa. Voilà, donc je vais le monter, parce que je vous mettrai quelques images, et puis après, voilà, on se fera un avis sur le produit, on verra avec mon chat, et puis comme ça, vous pourrez vous faire une idée sur ce produit et sa qualité. On voit qu'il est à 110 €, je crois qu'il y a une offre de bienvenue de 10 € sur le site dès qu'on le lance, pour sa première inscription, il me semble que j'ai eu ça moi aussi. Donc à tout de suite pour le rendu. Alors je me suis dit que je vais quand même montrer le déballage, pour qu'on puisse voir si à l'intérieur c'est bien emballé, s'il y a une notice, etc. aussi. Enfin, je pense qu'on a tous maintenant une référence qui est un peu Ikea sur les produits à monter. Donc là, l'idée, ça va être un peu de voir comment c'est fait. Alors, au début, on a une petite notice ici, avec bon, déjà cette petite carte. Donc on voit que la marque du produit, c'est Fee&Re. Il nous explique le mode de confection, des laines, etc. Utilisées. Certainement des parties recyclées. Et là, on a toute la partie notice, qui a l'air d'être multilingue. Je vois NLES. Et là, on a le pas à pas pour savoir véritablement comment le monter. Voilà, donc il y a tous les détails qui sont donnés ici, donc ça a l'air d'être plutôt complet. Après on a toutes les parties ici, type donc du hamac par exemple, ouais, qui est en forme de chat, c'est plutôt plutôt marrant. On a toutes les parties mousse, là on a toute la, visserie, on a été accroché, je sais pas pourquoi. On a tout ce qui est visserie, gros vis, petite vis. Ils ont l'aide de mettre la clé à l'aile. Donc tout ce qu'il faut pour monter a priori. Voilà. Ah, par contre, ça devait être le meuble blanc. Il est en bois. Ah. Bon, bah, je vais voir ce que je fais. Si je le monte ou pas, ou si je joue avec la marque pour le changer, je vais voir ce que ça donne. En tout cas, on voit que c'est bien emballé, et toutes les parties ici, les parties là pour jouer, les petits grattoirs, c'est alors plutôt de qualité, hein. Donc maintenant, soit tout de suite dans cette version là, soit bah, je vois avec la marque, je vous le dirai.
Donc là, le petit hamac. Et ce qui est bien, c'est que tout se défait pour se nettoyer. Donc moi, je vais faire quelques images avec le chat. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors, l'arbre à chat est installé, on le voit là, hop, avec tous les éléments, la caisse litière qui est ici, nickel, et on voit le chat qui joue et qui aime bien son arbre à chat. Vous pouvez le voir là. Vraiment, arbre très très sympa. Qui rend très bien comme ça avec l'effet meuble. Le petit hamac là aussi qu'il aime bien. Et comme ça, il peut jouer tranquillement. Donc voilà pour cette petite présentation du meuble. Je vous mettrai le lien en description comme toujours. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est que n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos.